es dans le désert. Tu arrives à la porte. À côté de la porte, le douanier. Il est un peu vieux, un peu petit, un peu rond. Le désert est jaune et rouge. Le douanier est habillé en jaune et rouge. Tu te demandes comment il peut rester là jour après jour. Tu remarques un buisson à côté de lui, adossé à un rocher. En regardant mieux, c'est peut-être l'entrée de la grotte. Le douanier t'interpelle selon la formule consacrée. Tu le soupçonnes de vouloir garder son antre secrète. Soudain, il t'apparaît que le douanier est le grand attracteur de l'espace. Tu lui demandes s'il est le grand attracteur. Il hausse les épaules. Tu penses à ta vitesse de déplacement, la vitesse de déplacement de la Terre autour du Soleil dans la Voie lactée et de la Voie lactée dans le super amas de galaxies. Immobile, tu t'envisages propulsé à une vitesse vertigineuse. Le douanier t'invite à franchir la porte, il dit. Tu participes avec diligence à la présence contemplative et claire. Malgré toi, tu souris, tu n'as rien compris. Mais tu imaginais bien ce genre de formule. Tous les signes, tous les animaux t'ont rejoint, bigarré. Ils demandent ce qu'on attend, pousse. Tu demandes pourquoi la porte? Pourquoi ne pas passer tout aussi bien à côté? Le douanier ne répond pas. Les signes restent sceptiques. Ceux qui n'ont pas entendu la question redemandent: qu'est-ce qu'on attend? Tu es dans le désert. Tu arrives à la porte. À côté de la porte, le douanier. Il est un peu vieux, un peu petit, un peu rond. Le désert est jaune et rouge. Le douanier est habillé en jaune et rouge. Tu franchis la porte et aussitôt tu es à Paris et on t'informe que c'est le dernier jour de l'année. Le contraste est tel que tu voudrais réitérer le franchissement, mais les signes te suivent et obstruent le passage. Le sanglier passé, le passage disparaît et son souvenir s'estompe. Tu sais avoir vécu cet instant maintes fois. Tu as toujours le sentiment d'avoir manqué quelque chose. Tu aurais voulu poser plus de questions. L'événement passe trop vite. Le souvenir s'estompe trop vite. Tu essaies d'en garder quelque chose. Il ne te reste à l'esprit que cette phrase idiote. Tu participes avec diligence à ta présence contemplative et claire. Tu dis: éparpillez-vous, je n'ai pas envie de me balader dans Paris avec un buffle, un cheval, un serpent et toute la clique. Les signes n'attendent que ça, ils veulent faire la tournée des bars. Tu es dans le désert, tu arrives à la porte. À côté de la porte, le douanier. Il est un peu vieux, un peu petit, un peu rond. Le désert est jaune et rouge. Le douanier est habillé en jaune et rouge. Il y a cette histoire de grand attracteur qui te trotte en tête. Tu voudrais savoir à quelle vitesse tu es propulsé dans l'univers. Tu demandes aux passants, mais les passants ne s'arrêtent pas pour te répondre. Tu demandes à un clochard assis sur un seau retourné, et le clochard te répond que ce qui importe, c'est la différence de vitesse entre deux personnes dans un même véhicule. Il dit que ce n'est pas la vitesse du train qui compte, mais la vitesse du déplacement du contrôleur et la place où tu es assis. Tu repars. Tu comprends bien le raisonnement, mais tu n'es pas satisfait. Autre chose te questionne. Tu veux croire que si les atomes vont à la vitesse de la Terre autour du Soleil, des particules plus fines vont à la vitesse du Soleil dans la Voie lactée. Et d'autres dimensions plus fluides encore, à la vitesse des super amas de galaxies dans l'univers.
Alors tu prends de pleine face la porte vitrée du magasin, du centre commercial vers lequel tu te dirigeais. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais là. La foule est figée, interloquée. Le vigile s'approche, inquiet. Tu n'as plus à l'esprit que cette phrase étrange. Tu participes avec diligence à ta présence contemplative et claire. Tu es à moitié assommé. Tu repars. Tu as besoin de sortir au grand air. Tu es dans le désert. Tu arrives à la porte. À côté de la porte, le douanier. Il est un peu vieux, un peu petit, un peu rond. Le désert est jaune et rouge. Le douanier est habillé en jaune et rouge.